Je vais te faire. Dis donc, tu sais pas ici pour le permis, hein? Ça se voit pas nos têtes, hein? Ah, mais je vois, ils avaient l'air réjouis. Ah, bien, si, c'est bien. Avant, on est de nouveau à rendez-vous devant les portes funèbres. Ah, c'est le cimetière. On n'arrête pas le progrès, bateau, tout ça continue. On passera le code dans un carbone. Mais vous, ça prend pas l'air de vous réussir un permis, hein? Ah, Michel Drac! 3 jours avant, je peux plus manger, 4 jours après, je resterai qu'un blond sur l'estomac. Alors, on sommes tous des récidivistes. Elle, 6 mois, elle, 1 an. Prison ? Un an pour prison. 6 mois qu'on s'attaque pour passer le permis. Je n'ai connu un. Il a commencé à passer ses deux cours les pompes funèbres d'arrêt. Là, derrière Bordeaux. Il a fini par accater une voiture électrique à conduire sans permis. Oh, Maria, tu te rassures. Je peux faire une surprise à Baptiste en arrivant avec le permis. Oui, vieux. J'ai un train douce pendant qu'il nettoie le maire et puis au soir, je comprends que les voisins m'appellent. Mon Dieu! C'est à l'heure de taille que je vais conduire ma voiture. À propos, exagérer quand même, hein! Il y en a quelquefois qui l'ont du premier coup. Les anciens ici, ils disent qu'ils n'ont connu, hein! Mais que c'est qu'il part venir, là? Qui donc il va venir? Alors qu'il vient par terre, là! Ah, mais n'importe quoi, monsieur! Qui c'est notre parti qui va venir? Un candidat qui est là avant nous! Pour lui, il fait un parcours à l'obstacle. J'ai rien mobilé, j'ai rien vélo, j'ai rien bien, mais la femme, il y a la femme dans ma crise. Dans la pauvreté, pour pourquoi t'as laissé ta parole? Ouais, faut faire attention. Il dit ça à chaque fois et puis il revient toujours. De toute façon, il ne peut pas arrêter, il a déjà caté le moteur. L'inspecteur. Au suivant, Jérôme Titien. Non mais Milan, c'est trop pour payer pour nous briser le moral des fois, non? Oh, donc, si on est bouffant, ça sera même pas la peine de monter dans la voiture. Madame Comain. Isabelle. Madame Isabelle, vous apprendrez que si je ne vous prends le moral, il y a longtemps que je suis mis aussi dans une voiture électrique. Parce que l'ancien que je vous parlais tout à l'heure, il a beaucoup mis les pompes funèbres d'arrêt. C'est un débutant à côté de nous. Mais j'ai connu le fume. J'en l'arrête! À comprendre! À chaque fois que je passe le permis, il s'adapte au pire! Il blouse une pointe de sport avec sa main entre ses mains, prêt à prendre des mesures et celles de l'inspecteur! Oui, madame, j'ai compris. Mais dis donc, tout à l'heure, tu m'as pas dit que t'es un sage de 6 mois, peut-être pas? Aïe! Ils n'ont pas besoin de connaître une vie privée, alors! Ils ont confiance en moi! Ils apprennent que je viens ici depuis 1958! Un jour! Faut commencer à se douter d'en même, c'est compagnie! Oui, je comprends. Puis j'aurai le temps de faire des installations dans le quartier, mais pourtant j'ai ma cote du premier coup. 39 réponses sur 40. J'ai plus de temps et c'est pas ça très précis. Quand chez Marne, vous hommes, il n'est pas souvent là non plus. À quoi vois-tu ce qu'il va faire là-dedans? Non, mais dis donc, tu. Que vous voulez passer le permis d'abord. Quand on a eu 39 sur 40 au code, on peut se permettre d'arrêter, l'honneur il est sort. Mais je peux avoir un auto. C'est Baptiste qui m'a donné l'idée que si c'est là, c'est là, c'est un jour qu'il a failli gagner au loto. Alors vous avez dû mettre des mini-jupes. Ça vous donne 50% de chance en plus. Parce qu'avec des cotrons pareils, l'inspecteur nous leur a même proposé des pieds sur les pédales. Mais ma moniteur, elle m'a pas pendu tout ça. Ah, les moniteurs, ils savent faire pour tout, hein. D'abord, Mie, j'étais une monitrice qui m'a pris la main pour la première fois. À la bonne façon. Allez-y.
Doucement. Plus vite. Attention, sans interdit. Débrayez. Moi mort. Quand je rentre trois maisons, mais combien tremble de corps. Principal, c'est pour le contredire. Arrêtez, j'arrête. Tourne à gauche, je grignote et je tourne. De toute façon, il a toujours qui cause qui lui plaît trop. Hein. Mis à la place, je laisse retomber. Sans plus faire un clic, c'est lui qui se rendait que ça, il faut faire la fois suivante. Mais il faut que venir, il me rend pour bien. Ben, il n'en fait plus que ça, du temps qu'on attend. On y fait le long tour, mais... Un bloc, la marche arrière. La marche arrière, je te prends normal. Pasteur, c'est ma tour. On attendrait pour longtemps. La générale, je ne m'appellerai jamais. Tu peux arrêter à face de praticien Harley, je vais ma gueule et graver d'autres filles. Eh bien, vous savez que j'ai finalement choisi la peinture pour ma salle de bain. Parce que j'avais peur que le papier avec l'humidité, ça se décolle. Votre femme, comment ça va son rhume? Ah, monsieur l'inspecteur, ah. Puisqu'elle rit. Laissez ma fume un petit dernier. Il me semble des soucis. On en parlera la prochaine fois, hein. Parce que j'ai assez perdu de temps avec cette ahurie qui avait bloqué la marche arrière. Mais je ne veux pas faire attendre madame. Tenez votre temps, monsieur. Allez, en route. Oh. Ah, la gueule, il va pas depuis 10, je vois toujours remplir à stop, on va porter une baguette, tant mieux aussi. Non, mais c'est égal, c'est quand même qui gosse pour passer le permis. Quand je vais raconter tout ça à Baptiste, il m'a regardé en même temps. Hein. Des mini-jupes, t'en verras pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, sa baguette? Ça m'applique, ça. Il est livreur dans une pâtisserie? Mais non, il n'est pas livreur dans cette pâtisserie. Il a un endroit qui est fatal. T'as déjà entendu parler du triangle des Bermudes? Et ben lui, c'est pâtisserie Arlaille. Il faut qu'il fasse l'œil avec les gosses et hop. Et pour pas avoir fait de déplacement pour rien, il achète une baguette. Je m'arrête.